Salut tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après donc deux vidéos de mécanique où vous avez pu voir toute la galère et le stress de Julien pour faire fonctionner ce camion pour les vacances. Est-ce qu'on est parti? Bah oui, on est parti puisque on vous a laissé un petit teasing. J'espère qu'il vous a plu. Lequel petit teasing? Ah oui, si c'est vrai, le petit teasing de la vidéo, j'avais oublié. Il va dire que je regarde pas cette vidéo. Donc ouais, tout à fait. Donc cet été, donc on a décidé de partir avec le Man 4, de nouveau 15 jours donc sur les routes de France. Voilà, vous allez avoir de belles images de drones, de belles images à vous montrer. Alors c'est vrai qu'on a encore du mal à penser à prendre la caméra, à se filmer, à dire un peu nos impressions, à se filmer dans le quotidien. C'est pas eu quelque chose de facile pour nous. Donc dans cette vidéo, vous allez avoir beaucoup de paysages et pas forcément notre vie au quotidien. On va essayer un peu de s'entraîner à faire ça pour rendre un peu les choses un peu plus vivantes. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ça va vous plaire, que ça va vous donner envie de visiter la France parce qu'on a vraiment visité de belles régions. C'est ça. Et puis pour nous, ça, voilà, c'était une découverte, des lieux qu'on connaissait pas forcément. Et voilà, qui restait plutôt sympa. Et puis ça reste encore un nouveau test pour le véhicule avant une prochaine expédition. Je pense que la prochaine va Ça pas faire sera la grand vraie. voyage. Voilà, exactement. C'est la dernière vidéo de test avec le Man 4 avant le grand départ qui sera officiellement donc mai 2024. Le jour n'est pas arrêté, mais le mois est arrêté. Ça y est, enfin. Alors, il nous est quand même arrivé quand même quelques petites bricoles. C'est vrai qu'on ne les a pas filmées. Mais on a par exemple le lambris au plafond qui est tombé. Qu'est-ce qui nous est arrivé d'autre quand même? Comme si la table qui s'est renversée, qui n'était pas fixée, on a eu Des bricoles, quoi. des pots qui cassent, enfin bref, voilà le quotidien, voilà, et encore un petit peu de rodage. Vous voyez derrière nous également qu'on a encore des choses à faire. Donc Julien est reparti là en mode travaux. Donc Ça, on vous en parlera dans une prochaine vidéo, mais voilà, quelques accessoires à rajouter pour peaufiner un petit peu ce camion avant le long voyage, voilà. Si On on va dire pense plus confort et quelques ajustements. à filmer. Voilà, bon, je pense qu'on le filmera, ou en tout cas je vous montrerai. De toute façon, je pense que dans les prochaines vidéos, moi je voulais vous montrer faire un petit truck tour. On arrive quand même au bout. Sais pas, il m'en a pas parlé, hein. Bah, dites-nous ce que vous en pensez, mais voilà, l'idée étant Non, on de garde encore faire le un tour. suspense, c'est pas fini, hein. Bah, c'est pas fini. Mais... Bref, on va encore rentrer dans des négociations. En tout cas, aujourd'hui, enfin voilà, dans les prochains mois, on essaiera peut-être de faire des petites vidéos, mais un peu pour vous dire où est-ce qu'on en est. Pour info, donc moi j'ai eu le permis camion que j'ai passé donc cet été, donc j'ai mon nouveau permis. Et puis dans l'organisation, voilà, on est en train de regarder pour la location de la maison, donc rendez-vous banque, des points vaccins. Là, on rentre vraiment dans l'organisation pure et dure, et donc ça, c'est plutôt cool. En parallèle, Ça, comme c'est vous a dit plutôt vrai. Julien, ouais, ça c'est ma partie à moi. Et puis en parallèle, voilà, Julien qui continue à peaufiner le camion parce qu'on a encore les coffres extérieurs à mettre en place, la capucine, les prises extérieures, un peu d'éclairage, des rangements, enfin bref, beaucoup de choses. En tout cas, si on revient à la vidéo des vacances, avant de débuter, on vous montre là tout de suite le petit itinéraire en quelques secondes qu'on a fait pour vous donner une vision. Et puis on vous reprend. Donc voilà notre petit itinéraire de quelques secondes. Maintenant, on va vous laisser place aux belles images. Et n'oubliez pas, bah voilà, à vous abonner,
à nous suivre sur liker, les réseaux sociaux à partager. pour avoir voilà, toujours des nouvelles fraîches, puisque le temps que les vidéos sortent, ça prend toujours un peu plus de temps. Ouais, c'est vrai, on n'est pas très régulier, mais bon, Voilà. ça vous le savez déjà. En tout cas, eh bien, bon visionnage et à la prochaine. Et de toute façon, vous aurez sûrement quelques petites surprises prochaines. Ok, d'accord, on verra. À bientôt! À bientôt! Salin de Giro, sous là, explorer les lieux. That everything seems to crumble around you. I know that you feel all alone in this world, but you have to. Put your trust into us and we will help you through. Cause we only want what's best, what's best for you. I know that you are having trouble believing right now. That everything is gonna be, is gonna be alright. Allez, nous voilà arrivés à la plage de Piémançon. On va profiter des bienfaits de la baignade. En tout cas, le chemin pour venir jusqu'ici en valait vraiment le coup. On a vu plein de flamants roses. Le parking, il est juste immense. Première fois que le Mancat foule du sable, c'est cool, même si on peut pas aller sur la plage en tant que tel. Mais voilà. What is best for you? Have to put your
trust into us and we will help you through, 'cause we only want what's best, what's best for you. Spot dodo, faut voir comment on va se mettre parce que c'est pas super plat. On est au pic de Vissou, donc c'est une aire de décollage. La vue est plutôt sympa, regardez ça. On va voir comment on va mettre le camion et puis là on va donc y dormir la nuit. Et puis demain on ira se promener donc sur le cirque de Mourez et après nous avons loué deux nuits sur l'aire de camping-car du lac Salagou. Voilà le programme un peu pour ces prochain jour. En tout cas, la vue est magnifique, il fait beaucoup moins chaud. J'espère qu'on va mieux dormir.
petites mûres. Elles sont bonnes. Ouais, attends. Mmh. Hop. Ça, c'est juste pour goûter. Et ça, je vais goûter. Non, c'est pas mûr. Pourquoi c'est mûr? C'est quand elles sont noires. Tu m'en donnes une à maman? Stop, stop. Merci. Allez. Et après les autres, pas bien. Thank you.
nous sommes au lac du Salagou pour 3 jours et on a décidé donc de faire une petite balade en bateau électrique. Donc on vous emmène avec nous, on a pu embarquer les enfants et le chien. Là on a décidé, vu que c'était quand même assez touristique et au mois d'août, on a décidé de réserver l'aire du camping-car à côté du camping. Et ce qui est pas mal, c'est que voilà, les chiens sont autorisés sur les abords et sur les plages, hein, sauf celles surveillées. Et voilà, c'est sympa, donc même Michael, elle profite bien. Donc on est parti pour 3 heures de balade et puis voilà. On vous emmène voir ce que ça donne, ce petit lac. Allez. Old days, I used to think I'm the problem, that I was way too sensitive, reacting way too much. Until I realized we were different types, carrying a different triggers, scaring us to death. Oh, someday we will collide someplace where we can hide our space. Forget the world outside, just for a while, some way we will be fine. Safe place, just you and I, always. I will wait for us to collide. That's all days, now that we see each other. Regarde, tu te rappelles le courage. Mets tes pieds sur le bar, vas-y, je te tiens le coup. Ouais, ouais. Super. Bravo, Loulou. Parfait. Allez, non, je te donne la masse, je vais te dire. Super. Super. Allez, 1, 2, 3. Ouais. Super. T'es trop fort. Plus rien ne t'arrête. C'est moi. Abby. Est-ce que papa y fait ou pas? Si maman pilote le bateau, oui. Ouais. Allez, vas-y. Allez, tata. 1. Tu viens avec moi? Non. Ah ouais, tous les deux, c'est tous les deux. 1, 2, 3. J'avais mis une lunette. Vas-y, non. T'as pas peur toute? Toi, c'est un grand gilet sauvetage. On est bientôt arrivé. Stop. Ah. Est-ce que allez, tu veux? Retiens un petit peu là, toi. Ah, laisse comme ça. Laisse comme ça. Il a tourné peut-être. Tiens encore vers toi. Vers toi. Tiens un peu plus même. Tiens encore vers toi. Redresse un petit peu. Comment ça redresse? Ah, tu le mets vers moi. Stop. Retiens un peu, retiens vers toi. Faut vraiment qu'il soit centré sur le bateau. Ouais. Retiens encore.
Comme ça, c'est bien. Ah, reste comme ça, bouge plus. Ah, vas-y, pousse un peu, ramène un peu vers moi. Top. Voilà. Nickel. Et tourne la poignée pour aller faire de la vitesse dans l'autre sens. Ah, la vitesse là. On va aller plus vite. Et tiens là. En tout cas, c'est sensible. Allez à fond. Mais tiens un peu encore vers toi. Voilà. Et dès qu'on pointe par là-bas, tu remets la barre pile poil comme ça dans le sens du bateau. Vas-y, vers papa. Stop, allez. Là, stop, voilà. Stop. Voilà. On retire un peu vers toi. On rechange le bateau. Voilà, bouge plus. Stars come to shine when it's dark. From so far away, show us where we are. What makes the sun go to sleep every night, and what's it dreaming of? I wonder. How come the sky? Alors nous voilà pour faire une piste 4x4. Et oui, on ne pouvait pas ne pas faire de piste 4x4 pendant nos vacances. Alors on va tester voilà, quelques kilomètres. C'est une petite piste. Donc on va voir si on passe et si on peut manger et dormir là-bas. Donc on vous emmène voir tout ça. Le chef prépare GPS.
dark from so far away and show us where we are. It really makes me wonder. Voilà. Ah, lui il a quoi? Un verre à la main? Une bière, rosée, on se fait plaisir. Bon, aujourd'hui on a trouvé un super spot nature. On a quitté le camping et voilà, c'était pour les enfants, mais là ça fait trop du bien de retrouver la nature, les super spots, les apéros avec un super coucher de soleil. Hop, je sais pas si vous allez bien voir. Bref, je vais vous montrer, on est vraiment au milieu de rien. Le camion est là. Regardez-moi ce paysage. C'est calme, il n'y a personne. C'est trop bien. Franchement, on adore. On voudrait que tous les spots ressemblent à celui-là. On a dû du coup emprunter le petit bout de piste qu'on vous a parlé tout à l'heure. Franchement, c'est trop bien. Yeah. Would it be cold to say, I'm in you?
Yeah, intuition, just wanna follow intuition. All my senses tell me I know what you've been thinking. I've been feeling, what if we got up, left this party? Cause I can see you're probably gonna be scrolling feeds all night long. And your friends are drunk, and the DJ keeps playing the same songs, and time isn't moving along. So would it be cool to say, do you wanna escape without ending the night? We could drive through all of the city lights, or we could find a Tucson place, just you and I. That'd be nice. Oh, do you want to escape with me? Oh, oh, oh. Do you want to escape with me? Escape with me. Yeah, I see that biting your cherry lips, giving me a hint at an early exit. Can't believe, gotta pinch your cheek to know this isn't fantasy. Right, right. Skip the chit chat, cause that shit cheap. Doesn't matter either way, cause I can hear a thing. Wanna get some air to breathe, cause I can see you falling asleep. Your friends are drunk, and the DJ keeps playing the same songs, and time isn't moving along. So would it be cool to say, do you wanna escape without ending the night? We could drive through all of the city lights, or we can find a Tucson place, just you and I. That'd be nice. Do you want to escape with me? Oh, oh, oh. Do you? Do you want to escape with me? Escape with me. Arrivé dans la région de l'Aubrac, on a trouvé notre spot de ce soir. Là, Julien est en train de mettre l'escalier. On a trouvé un spot via Park Fortnite. Hop, je vous fais un petit tour. On a le vu sur un petit lac ici et les vaches juste en contrebas. Je pense qu'on va être bien. On devrait être au calme. On entend encore l'orage qui gronde, donc on verra si on se prend la pluie. On espère pouvoir dormir un peu plus au frais.
Allez, je vous montre ça. Des rocs, une cascade au plein milieu de l'Aubrac, rafraîchissante peut-être. On va essayer d'aller la voir de plus près. Attends papa, Quentin, non? Non, tu arrives tout seul? Ah, moi.
C'est bon. Bah viens, tu fais tout doucement, donne la main. Nickel, vous êtes trop fort. Bonne chance que j'ai dit les cailloux qui bougent. Nickel. Vous voulez descendre un petit peu? Allez, non, pas sauter. Pas sauter quand t'es en marche. Voilà. Touche pas. Florian, passe. Passe dessous. Non, donne la main. Attention, les barbelés. À toi, Quentin. Allez, passe dessous, toi. Là, je fais attention aux barbelés. Passe dessous. Lève les jambes, voilà, appuie dessus. Très bien. Avancez tout droit vers papa. Dernier jour des vacances, on a remonté après l'Aubrac tranquillement donc vers la maison. Donc là on est en Haute-Loire, pas très loin du Puy-en-Velay, et on a décidé de faire une petite balade pour voir le ravin de Curbeuf. Donc c'est une petite boucle de 3 km, donc une heure à peu près, donc assez facile à faire avec les enfants. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, il y a beaucoup de vent. Donc voilà, on va vous montrer quelques images de cette petite balade tranquillou.